C'est un problème. Aujourd'hui, vraiment, on va se battre pour gagner la continuité de les autres collègues. De la langue non avec l'école Babel maternelle et le collectif des non. Merci pour les exposants. Merci à tout le monde. Nous allons maintenant démarrer la cérémonie et naturellement d'abord avec l'hymne national du Sénégal. Didier, si vous êtes prêts, mesdames, mesdames, messieurs, Mbokuyi, Ngetok Tahaou, nous déglou l'hymne national de Gotambalé Mbirmi. En effet, la présente cérémonie constitue une illustration. S'il en était encore besoin, que le véritable chemin du développement ne peut ignorer les sentiers, quelquefois similaires des langues maternelles, celles-là avec qui chaque enfant du monde a appris à déchiffrer l'univers page à page. C'est sans doute ce qu'ont bien compris l'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en instituant depuis février 2000. La commémoration chaque 21 février de cette journée en hommage aux étudiants tués par la police à Dakar, capitale du Bangladesh, alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le Bengali, soit déclarée deuxième année nationale du Pakistan de l'époque. En tant que véhicule culturel et scientifique de la communauté linguistique, non, notre langue, le CERNON codifié en 2001 reste un patrimoine social dont la valorisation entraîne de fait celle de toute la communauté. Il va sans dire que sa vulgarisation apparaît pour nous comme un gage de sécurisation de l'ensemble du patrimoine socioculturel non menacé d'affaiblissement au même titre que tout dialecte d'une ethnie minoritaire.